sauvages n'ont pas été trop durs avec toi, Ethan. Cette lance est une arme puissante. Hé, étrangère. Viens faire affaire avec moi. Des cheveux roux, un œil vif, une lance. Ces ingrédients suggèrent une guerrière Nora. Aloy, tu as vaincu Regala au bosquet, c'est bien ça? Toutes les rumeurs finissent par arriver jusqu'à la marmite. Les cuisines coupent la viande et mélangent les ragots. C'était de simples ragots ce que tu as dit à cette soldate Ténac, au sujet de la nourriture qui rend fort. Tu crois que les soldats sont les seuls à avoir du talent? Les lames ne servent pas qu'à combattre. En éminçant les bons ingrédients, je peux te rendre plus forte. C'est une question de préparation. Ton ami n'a pas l'air convaincu par tout ça. Les gens d'ici se planteraient directement la tête dans le sable pour se nourrir comme les brouteurs s'ils pouvaient. Mais je suis sûre que si je pouvais montrer à Hekata, si je pouvais lui montrer les effets de mes plats, tous les autres changeraient d'avis. Ce plat peut me rendre plus forte ? Plus forte, plus vigoureuse, plus résistante, il peut avoir différents effets selon la façon dont je le prépare. En variant ton régime, tu peux bénéficier des différentes propriétés nutritives. Regarde les océrames. À force de boire de la bière, ils ressemblent à des tonneaux. Alors pourquoi c'est si difficile de croire que la nourriture peut aussi nous changer? Qu'est-ce que tu vends d'autre? Des dîners délicieux, des desserts divins et des plats qui feront de toi une guerrière. Une meilleure guerrière, plutôt. T'as besoin de quels ingrédients? De la viande d'oiseau et un petit ingrédient mystère. Si tu ne me dis pas ce que c'est, je ne pourrais pas te le récupérer. Des œufs d'oiseau. Ces soldats refusent d'y goûter. Ils disent qu'un guerrier ne mange que de la viande. Mais un véritable guerrier prend tout ce qui peut l'aider. Je vais te chercher ces ingrédients. Tu vois, Hekata? Les vrais soldats sont audacieux en cuisine. Tu trouveras les œufs sur l'île de la Larme du Désert, le lac juste à côté du village. Pour la viande, de nombreux oiseaux viennent manger l'herbe de ses rives. Rapporte-moi les ingrédients ici et je te préparerai un repas gratuit. Plus de soldats comme la Nora, on serait beaucoup. Approche, faisons affaire. Et ça partout où tu vas? Désolé. Bon, j'imagine qu'on peut s'en servir pour stocker des choses. Je n'espère pas bénéficier d'une réplique. Extinction des moteurs 1 et 2. Tu me passes cette bouteille. Tu penses vraiment que ces soldats, là, peuvent repousser des machines de combat? Depuis le début, on... Je devrais trouver des oiseaux ici.
Il me faut de la viande pour la cuisinière. J'ai assez de viande, il me reste à trouver des œufs. Il doit y avoir des œufs d'oie sur cette île, il faut trouver le nid. Je vais sortir de l'eau toute propre. En voilà un. Cette grande bouche va me compliquer la tâche. La gueule de cette machine pourrait m'avaler tout entière. Il doit y avoir un autre nid. Un œuf de plus. Je viens récupérer les pièces du grande bouche. J'espère qu'elle va se attaquer. J'en ai un. J'ai assez d'œufs. Je dois retourner à Alit.
honneur et force. Marche parmi nous. Sois la bienvenue. Fikata, prépare-toi. On va devoir cuisiner la spécialité du chef. Comment tu as su que j'avais tes ingrédients ? Toute cuisinière digne de ce nom sait lire sur les visages comme dans la viande. Fikata, allez, au travail. Que le courage de ton estomac t'offre la victoire au combat. On sera ici, si tu veux goûter à d'autres plats. Et ton prochain repas est offert par la maison. Alors, Akata ? D'accord ! Si cette Nora a tenté la spécialité du chef, je vais goûter. Mais si ce gluant me rend malade... C'était Jérémiade qui nous rend malade, Akata. Eh bien, Banju. Va y remédier. Chaque bouchée te rapprochera de la victoire. C'est un honneur. La chef a raison. Ces plats pourraient m'être utiles. Je devrais peut-être en prendre un avant de partir. Que nos lames bonjour. Finissent dans leur recherche de régalage.